ça. Ouais. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est pas gros. Les bruits de plancher, donc tu peux nous faire chier un peu. Je prends les comédiens en train de faire le singe avant. Ouais. T'as pas une veste? Une? Une veste. Une veste? Ah, je suis embêté. J'ai un pull, une chemise. Pas de veste. T'assure pas, Nosferatu. Nosferatu. Nosfé pour les intimes. Nosfé pour les intimes. T'assure pas. Ne porte pas de veste. Un petit grain de voix quand même. Un petit grain. Qu'est-ce que je t'appelle un petit grain de voix? C'est bien, ça passe. Le micro, c'est bien. Ah bon? Ah oui, c'est ça. Tout l'équipement, des pinces à linge. Des pinces avant de faire sécher. Ouais. Donc, ça c'est le... Je vais voir, ça se trouve que j'irai sur le système. Parce que c'est un système que j'ai sur des oreilles d'habitude. Et de leurs foutus accords, j'ai trop longtemps courbé les chines. La nuit m'appartient, et gare à celui qui se mettra sur mon chemin. Infini. Mais si nous les exploitions moins, ils se croiraient libres de notre tutelle, et aux hommes de coexister pacifiquement. Cool. Notre but est d'être constructif, penser des réformes. Il s'agit bien de ça. Je prétends que l'heure est arrivée de changer le système et d'arrêter de croire qu'en négociant des bouts de ficelle, nous agissons pour le genre humain. Vous faites décidément partie de ces archaïques qui croient que renverser la table est la seule solution pour tout. Mon jeune ami, il faut être réaliste. Laissons les chimères pour ce qu'elles sont. Les chimères? Vous ne pensez qu'à conserver votre petit pouvoir minable. Et vous ne songez pas à garder le vôtre peut-être? Et qu'il n'est guère plus brillant si j'en crois les dernières dépêches qui sont tombées? Votre base ne vous suit plus trop, voire vous déborde carrément. Calme, je vous en prie. Nous avons en charge de trouver une solution raisonnable. Il faut que le pouvoir vampire puisse l'accepter sans se sentir floué. Il faut que les masses humaines puissent comprendre que nous voulons leur bien pour qu'elles nous suivent. N'insultons pas les premiers, n'ajoutons pas par des propositions inconséquentes au sentiment d'insécurité des seconds. La juste mesure est en toute chose gage de réussite. Unis, bientôt, tous contre chacun, dès la fin d'un monde. Bientôt tous contre chacun, à la rigueur. Tu... Quoi? Et faut s'y mettre. Et alors? Oh, trouver la voix. La 22. Là, c'est le technicien du son qui m'adore. Ouais, c'est ça, oui. What? On commence à cette là quand il est tout seul, avant que Gort. Ma maman, mon seigneur, bonne nuit, merci mon seigneur. Vous méditiez mon seigneur. Mais c'est vrai mon seigneur, qu'est un vampire qui ne connaît plus la soif. Je crains de ne pas avoir encore trouvé la réponse. Tu m'as toujours amusé, vieux compagnon, toutes ces années à mes côtés. Tu es bien le seul à avoir survécu si longtemps en étant si proche de moi. Je vous aime beaucoup, mon seigneur. Crois-tu que cela te protège? Moi, j'aime bien la regarder. Non, on se concentre. Bon, non, mais si tu veux vraiment. Non, mais ça me fait bien. Du moment que je te sens. Ouais, c'est... Voilà. De la terrasse d'un immeuble. Ah oui, c'est ça, on est en haut d'une terrasse. Hein. C'est ça, oui. D'un immeuble. Ouais.
Alors, ça commence à... Alors, ce rôle de vampire, vous l'avez dans le sang ? Elle est bonne, cette question. Ce rôle de vampire, mais quel vampire ? Je ne comprends pas ta question, jeune homme. Viens par là. Nous allons exaucer tes vœux. Viens, approche, mon enfant. Viens, viens là, viens là ! D'accord. J'y vais. Ok. C'est bon. Quand tu veux. Un fleuve de sang sous l'ombre éternelle. Mon ombre. Regardez-la. La reine morte. Elle dort. Alors là, du coup, faut que je fasse gaffe. Ouais, ça va. Je peux peut-être monter un petit peu. Voilà. T'as plus le problème, là, de son, de souffle de... Non, là, c'était bien, ouais. Ouais. Mais en fait, là, ce que je voulais essayer tout à l'heure, c'est comme j'ai deux micros, quand j'en ai un qui souffle, c'est un sur les deux, en fait. Donc si jamais j'ai un problème, je peux couper ce micro-là, puis on entend quand même l'autre, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Donc c'est une bonne chose. C'est un plan 3. Le temps a passé, c'est ça ? Ouais. Yes. On va la refaire, c'est exactement ce que je veux. On va la refaire, mais tu vas essayer de faire des mimiques en même temps, tu vois. Non, genre, vous lui devez la vie. Ne l'oubliez pas. Tu vois, essaye de, tu vois, de faire des trucs en même temps, ça va t'aider, à mon avis. Mais c'est exactement ce que je veux. Je le fais un peu déjà. Ouais, ouais, tout à fait. Mais force le truc. Je force. Ouais, force encore plus. Ouais. Mais tu sais, sur les images, c'est ce que je vais te demander, hein, de forcer plus le... Je tu vois, ouais. Tu vois, ouais, je suis... Ouais, ouais. On en refait une, Thierry ? La même. Mais c'est exactement ça. Tout le truc, là, c'est impeccable. Okay. Quand vous voulez. Voir ne te suffit pas. Touche le silence de l'infini. Oh, mon Dieu. Nous ne sommes pas du même monde. Et vous n'avez pas le choix. Si vous ne voulez pas être les premières victimes de ma liberté retrouvée, je vous conseille d'arrêter vos jérémiades. Transmettez les règles de l'ordre nouveau. C'est votre rôle. Vous lui devez la vie. Ne l'oubliez pas. Cool. On regarde celle-là. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est bon ? Ouais. Quand vous voulez. Vous voulez me tuer ? Plus fort. Plus fort ? Vas-y. Vous voulez me tuer ? Encore plus fort, vas-y. Vous voulez me tuer ? Pas mal, pas mais mal. Bah vas-y, encore plus. Non. Vous voulez me tuer ? Encore. Vous voulez me tuer ? Plus. Plus fort. Vous voulez me tuer ? C'est bon, on garde la dernière. Allez bien, allez bien. Okay. Hein ? Quand vous voulez. Respire, okay. Respire. C'est important. Il ne m'a pas tué. Il m'a juste fait sentir qu'il me tuera quand il le voudra. Un jour, il le fera. J'en suis certain. Simplement pour le plaisir. Le père des vampires et des hommes est un être absurde. Alors, je vais chasser. Je mourrai en vivant en prince. Ouais. Mais il
faut que tu te sentes à l'aise quand même avec, hein. Si tu me dis, hein, si c'est... Non mais t'as vu, je la perds au bout d'un moment, ça dépasse. Ouais, mais tu vois, c'est bien avec le personnage de la vieille, tu sais, les vieux, ils perdent leur voix aussi. Tu sais, avec le ton qui descend, c'est comme si c'était désaccordé. Donc moi, c'est, par rapport au personnage, ça me gêne pas, tu vois, au contraire. Moi, j'ai déjà... Tu vois, ça me gêne pas. C'est bon, t'es prête ? Ouais. Prête. Je suis prête. Non, pas tu veux. Les contre-ostro d'Arc. Le comte. Je vous prie de ne pas déroger au protocole. Prends ton temps. Virgule, point. Prends ton temps. Le comte Rostro d'Arc. Le comte. Je vous prie de ne pas déroger au protocole. Le comte Rostro veut augmenter sa famille. Il ne m'en a rien dit. Bon, on va la refaire, Thierry. Ok. Vous êtes prêt ? Quand tu veux. Quand vous voulez. Qui était-ce ? Gort, le gardien. Il vient de me prévenir. Quel calcul suit-il ? On le dit aussi fou que son maître. Rostro veut rompre le concordat. Il va déclencher le chaos. Il va déclencher le chaos. La reine n'en sait encore rien. C'est du moins ce dont il m'assure. Il veut que je la prévienne. Que vas-tu faire ? Je me demande bien pourquoi Gort est venu. Qu'attend-il de mon alliance avec la reine morte ? Qu'importe les projets de ce fou ! T'as fait péter le micro. À mon avis, c'est trop fort la fin. C'est trop fort ? Ouais, mais j'ai une piste, tout c'est bon. Hein. Votre piste, elle est bonne. On va refaire qu'importe les projets de ce fou. D'accord. Qu'importe les projets de ce fou ? Tu nous dis, Thierry. Quand vous voulez. Qu'importe les projets des Sofous. Qu'importe les projets des Sofous. Qu'importe les projets des Sofous. Impeccable. On garde Jésus entre la dernière et l'avant-dernière. Ouais, de toute façon, les deux, les trois sont là devant. Bon, on verra. On va refaire une prise par sécurité. Mais c'était très bien. Tu refais la même chose. Je relance maintenant. C'est quand tu veux. Ma reine, rien ne peut laisser supposer que le comte nourrisse des projets dont il ne vous tiendrait pas au courant. Je vous assure, ma reine, qu'aucun rapport ne va dans ce sens. Non, ma reine, bien sûr que non. Ma langue m'a trahi. Je voulais dire que personne n'a entendu le comte parler d'agrandir ça. Cool.